Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui conduisit Siméon ce matin-là vers le Christ vous a conduit ici ce soir. Il a la même obligation envers vous qu'envers Siméon, parce qu'il est Dieu et doit tenir sa parole. Je peux voir Siméon. Il désirait voir le Christ. Peu importe ce que les critiques disaient, il croyait ce que la parole de Dieu lui avait dit. Croyez-vous en la guérison divine? La raison même qui vous fait croire en la guérison divine prouve qu'il y a une guérison divine. Lorsque nous sommes arrivés en Amérique, nous avons trouvé l'Indien d'Amérique. Il adorait le soleil, la lune, la nature, parce qu'il savait qu'il avait un Créateur. Et il y avait quelque chose dans son cœur qui l'appelait à l'adoration. C'est ainsi pour chaque mortel. Vous allez peut-être adorer votre automobile, votre travail, votre maison ou autre chose. S'il y a une idole quelque part, enlevez-la et laissez Jésus-Christ avoir la première place. Alors, cette faim profonde, comme le disait David, quand la profondeur appelle la profondeur à la voix de tes cataractes. S'il y a une profondeur ici, à l'intérieur, qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Je suis un amoureux de la nature. En allant dans les bois, j'observe les couchers de soleil. J'entends le cri des animaux sauvages. Ma mère est à demi indienne. Il y a quelque chose dans mon sang qui fait que j'aime la nature. Quand j'entends l'appel de la nature, quelque chose embrase mon âme. Récemment, je me trouvais sur une montagne dans le Colorado et j'observais une vieille maman aigle. Comment, du nid, elle a transporté ses petits et les a déposés dans le pâturage. Puis elle s'est envolée vers le pic rocheux le plus élevé. Je la regardais avec mes jumelles. Mon cheval était attaché à un arbre. Les aigles font leur nid avec des bouts de bois pointus, et ces aiglons ne connaissaient rien d'autre. Mais un jour, leur mère a étendu ses ailes, ils ont grimpé dessus et sont descendus. Ces petits êtres étaient en train d'avoir un réveil pentecôtiste. Ils couraient de ci, de là, sur cette herbe douce, picotant ici, gazouillant là, sautillant, libres comme tout. J'ai pensé, c'est juste. C'est comme un homme dans le vieux nid du monde. Il ne sait rien d'autre que ce que le diable peut lui donner. Mais un jour, Dieu le prend et le dépose à l'ombre, dans un vert pâturage. Il est dans la joie, il est libre. J'ai pensé, pourquoi ces petits êtres n'ont-ils pas peur? Il y a des coyotes dans les environs. Mais de temps en temps, ils regardaient en haut, leur vieille maman les surveillait. J'ai pensé, que Dieu soit loué. Il m'a sorti du nid du monde. Il a escaladé les remparts de la gloire, s'est assis sur la hauteur, surveillant son héritage. Pour s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive, j'ai pensé que si un coyote venait à se diriger vers l'un de ses aiglons, elle le tuerait. Si Satan s'en prend un croyant, il se retrouve avec Jésus-Christ sur les bras. Elle s'était perchée sur le plus haut rocher qu'il ait trouvé. Sa belle tête majestueuse regardant tout autour, ses yeux d'aigle perçant lui permettaient de voir partout. Au bout d'un moment, à travers mes jumelles, je l'ai vue lever la tête et humer l'air. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Très loin au nord, le tonnerre grondait.
Elle a poussé un cri, elle s'était lancée dans le vide. Elle a projeté ses ailes en avant et s'est posée dans la prairie. Alors, tous ces aiglons ont couru vers elle. Ils se sont accrochés dans ses plumes avec leurs griffes et leurs becs. Et elle s'est envolée avec les petits aigles sur ses ailes, fonçant droit dans ce vent qui soufflait à environ 80 km à l'heure, pour aller se poser dans une fissure de rocher. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai pensé, un jour, quand ceci sera terminé, il viendra de la gloire et tendra ses grandes ailes puissantes, et les petits aigles s'y accrocheront et s'envoleront dans la gloire avec lui. Si la profondeur appelle, il y a une profondeur pour répondre. Avant qu'il y ait un arbre sur la terre, il devait y avoir une terre où il puisse pousser. Dieu n'a jamais fait l'arbre pour la terre, il a fait la terre pour l'arbre. La terre a réclamé jusqu'à ce que l'arbre sorte. Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager. La raison pour laquelle il a reçu une nageoire est qu'il y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager. Tout ce que nous avons existe pour un but et une raison. J'ai lu qu'un petit garçon avait mangé des gommes de crayon, une pédale de bicyclette et tout le caoutchouc qu'il pouvait trouver. On l'a emmené chez un docteur pour des examens et on a découvert que son corps avait besoin de soufre. Or, le caoutchouc contient du soufre. Il mangeait donc du caoutchouc pour avoir du soufre. S'il y avait quelque chose ici qui réclamait du soufre, il devait y avoir du soufre pour y répondre. La profondeur appelle la profondeur. Avant qu'il puisse y avoir une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. Il y a quelques années, vous étiez peut-être dans une église formaliste qui ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Mais il y avait quelque chose là-dedans qui réclamait davantage de Dieu. Vous viviez d'une manière correcte, mais vous aspiriez au baptême de l'Esprit. La raison pour laquelle il y a un Saint-Esprit, c'est que vous le désiriez ardemment. Vous ne l'auriez jamais désiré s'il y avait eu ici à l'intérieur quelque chose qui le réclamait là-bas. La raison de votre présence ici ce soir, c'est que vous croyez en la guérison divine, même si ce n'était pas enseigné dans la Bible. Le fait que vous croyez en la guérison divine ferait qu'il devrait y avoir une source ouverte quelque part. La profondeur appelle la profondeur. Siméon savait qu'un Christ allait venir et que Dieu lui avait promis qu'il le verrait avant de mourir. Juste au moment où Jésus est entré en scène, Siméon a été conduit par le Saint-Esprit qui lui avait donné la promesse directement à Christ. Le Saint-Esprit qui a donné la promesse de la guérison divine vous a conduit ici ce soir directement à la source ouverte pour quiconque le veut. Chacun de vous, fils et filles de Dieu, est conduit ici parce que vous croyez la promesse de Dieu. Tout là-bas, dans le coin, se trouvait une vieille femme aveugle. Elle s'appelait Anne. Elle était prophétesse et attendait la venue du Seigneur. Dieu a été obligé de lui montrer le Christ. Cette vieille prophétesse aveugle s'est avancée dans ce bâtiment ce matin-là, conduite par le Saint-Esprit. Dépassant cette lignée de femmes, elle s'est arrêtée juste devant la source, car elle était conduite par le Saint-Esprit. Il est ici ce soir, ressuscité des morts. Il vous a donné la promesse. Si le Saint-Esprit ne vous avait pas amené ici, vous seriez dehors quelque part dans le monde.
Mais vous êtes assis dans ce bâtiment surchauffé et vous vous éventez parce que vous vous attendez à voir Jésus-Christ venir confirmer sa parole. Si vous venez avec l'idée de trouver quelque chose à critiquer, le diable vous le montrera et plus encore. Vous obtenez ce que vous attendez. Certains disent, si je vois quelque chose comme ceci, alors je croirai. Vous obtenez ce que vous attendez. Je m'attends à voir le Saint-Esprit venir se manifester lui-même en puissance. Beaucoup recevoir le baptême du Saint-Esprit, les pécheurs venir en pleurant au calvaire, les malades être guéris, toutes sortes de signes et prodiges, parce que Jésus-Christ l'a promis. Et je crois sa promesse. Prions. Père Céleste, confirme ta parole avec les signes et prodiges de Jésus ressuscité. Nous savons que lorsqu'il était sur terre, il prétendait seulement que tu lui montrais des visions. Il connaissait les pensées des gens, leurs conditions. Il a su qu'une femme, ayant une perte de sang, avait touché son vêtement. Il a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Père, nous savons qu'il est ici ce soir parce qu'il l'a promis. Notre confiance est placée en lui et dans sa parole. Nous l'avons vu dans la manifestation de sa résurrection au milieu de son peuple. Seigneur, laisse-nous être les lumières de cet âge. Au bout de la route, quand chacun de nous viendra devant toi, que le grand écran sera déployé et que nos vies seront ramenées devant nous, laisse-moi entendre ma voix crier contre l'iniquité et appeler les gens à croire en Jésus. Bénis les gens ici ce soir qui supportent cette grosse chaleur. Bénis-les spécialement. Seigneur, sanctifie maintenant ton serviteur pour le service à venir, réalisant que les yeux regarderont dans cette direction. Je te prie de faire connaître ta grande et glorieuse puissance à chacun. Puisses-tu prendre cette indigne personne, faire sortir le moi et entrer, Seigneur Jésus, et parler à ton peuple. Quand la vie s'arrêtera sur terre, que la dernière prière aura été faite, les batailles terminées, la fumée dissipée, les armes déposées, les Bibles fermées, et que nous monterons dans ta maison à l'aube d'un grand matin, éternel, lumineux et beau. Quand les élus se rassembleront dans leur demeure au-delà des cieux, comme l'a dit le poète. Seigneur, lorsque nous verrons cette table du souper, longue de milliers de kilomètres, et que ces vétérans couverts de cicatrices se regarderont par-dessus la table, des larmes de joie coulant sur nos joues, le roi s'avancera dans sa beauté et sa sainteté, et passant le long de la table, il essuiera les larmes en disant, « Ne pleurez plus, tout est terminé, entrez dans la joie du Seigneur. » Les peines de la route sembleront sans importance lorsque nous arriverons au bout du chemin. Aide-nous ce soir, Seigneur, à oublier les choses du passé. Courons vers le but de la vocation céleste. Que ton esprit vienne et manifeste Jésus-Christ aux gens. J'essayais de leur dire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.
Excusez-moi de me conduire comme un enfant, mais quelque chose touche mon cœur quand je parle de lui. J'ai eu des visions depuis que j'étais tout petit. Des serviteurs m'ont dit, ne pars surtout pas là-dedans, c'est le diable. J'ai cru en partie que les visions étaient fausses. Alors, cette nuit-là, il est venu vers moi et m'a dit qui il était. Je sais qu'il est ici maintenant. Je connais sa présence. Je sais que je l'aime. J'ai pensé, comment puis-je être un démon et aimer le Seigneur Jésus? Et il est venu et m'a dit autre chose. Je le crois lui parce que cela correspond à la parole de Dieu. Ce n'est pas le cas pour leur parole. Maintenant, lorsque cela me frappe, je deviens si faible que j'ai de la peine à rester debout après avoir rencontré une ou deux personnes. Lisez l'Écriture. Le prophète Daniel eut une vision et fut troublé dans sa tête bien des jours. Une fois, lorsqu'une femme a eu suffisamment de foi pour pousser Jésus à se retourner, il a dit, « Une vertu, une force est sortie de moi. » Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un homme, le premier des pécheurs, né hors de saison pour vous, gens du plein évangile. Par la grâce de Dieu, il me laisse vous appeler mes frères et sœurs. Je ne suis pas ici pour être vu ou entendu. Je ne suis pas ici pour une raison financière. Je suis ici parce que j'aime Jésus et que je vous aime. Je crois, en venant ici, que si je pouvais me soumettre à lui et qu'il fasse quelque chose à travers moi, vous l'aimeriez davantage, vous croiriez en lui et seriez guéri. Dieu vous bénisse, vous pasteur et homme d'affaires. Je veux vous dire au revoir avant de devenir faible. Parfois, je n'arrive pas à quitter l'estrade. Mon garçon et l'organisateur surveillent cela. Si je ne vous rencontre plus jamais de ce côté-ci de la rivière, je vous verrai au matin. Avec ce même témoignage, j'aime le Seigneur Jésus. Dieu me donne des visions, c'est vrai. Dieu est mon témoin. Je peux seulement dire ce qu'il me fait dire par sa grâce. Priez pour moi. Je demande encore une chose. Je vais aller en Afrique, en Inde, en Palestine, en Allemagne. Dans ces pays, les sorciers guérisseurs et les gens possédés d'un démon vous défient et vous avez avantage à savoir de quoi vous parlez. Quand les vents chauds et violents souffleront, qu'il y aura la persécution, je me souviendrai que quelqu'un à Washington DC prie pour moi. Vous me le promettrez? Hier soir, on a distribué 100 cartes de prière. La lettre était Y. J'ai appelé les 15 premières hier soir. C'est bien cela? Nous allons en appeler d'autres. Peut-être que si la foi est élevée, nous pouvons en prendre deux ou trois groupes. Combien ici n'ont pas de carte de prière et veulent être guéris par Dieu ce soir? Levez la main. Il se peut que ce soit la première fois que je vous rencontre. C'est bien dommage que nous ne puissions rester plus longtemps afin que vous puissiez savoir comment accepter la guérison divine. Une grosseur est un démon. Chaque maladie est du diable. Dieu ne met pas la maladie sur ses enfants. C'est le diable qui le fait. Vous dites, mais le diable guérit aussi. Jésus a dit que non.
Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Dieu seul peut guérir. La médecine et les docteurs ne prétendent pas guérir. Les frères Maillot sont parmi les meilleurs. Ils disent, nous ne guérissons pas, nous ne faisons qu'assister la nature. Il n'y a qu'un seul guérisseur, Dieu. On peut recoudre votre main, mais on ne peut pas la guérir. Un dentiste peut arracher une dent, mais qui va guérir l'endroit? Un docteur peut enlever un appendice, mais qui va guérir la place? Dieu. La médecine ne fabrique pas des tissus, elle n'est qu'une aide. Un docteur peut remettre votre bras en place comme il l'a appris, mais il laisse Dieu le guérir. Toute guérison est de Dieu. Quand la vie du démon sort de ses grosseurs, les grosseurs meurent. Si la vie sortait de vous, vous mourriez. Mais votre corps est toujours là. N'importe quel corps se rétracte quand la vie est partie. Certains de vous, chasseurs ou bouchers ici, vous tuez un animal et vous le pesez. Le lendemain matin, vous le pesez à nouveau. Voyez alors combien il est plus léger. Puis laissez-le reposer 2 ou 3 jours et regardez combien il est plus lourd. Quand une grosseur meurt, le démon, lequel est une vie, sort de la tumeur, du cancer, de la cataracte. Chaque personne ici provient d'un germe et a développé des cellules. Ces cellules suivent la nature de la vie qui est en elles, formant ainsi l'homme. La cellule qui vient du chien fait un chien, de l'oiseau un oiseau. Le démon vient sous la forme d'une grosseur, mais pas obligatoirement, et commence à développer des cellules. Le cancer fabrique des cellules et grandit. Il a une vie. C'est pareil à vous qui viviez et vous développiez dans le ventre de votre mère. Mais cette vie-là n'est pas votre vie, c'est une vie différente. Vous avez la vie pour vivre. Ça, c'est une vie de mort. Elle n'a rien à faire en vous. Qui l'a mise là? Le diable. Le cancer, la tumeur viennent d'un germe. Vous aussi, vous venez d'un germe. La personne qui a la cataracte, quand l'esprit s'en va, elle dit, « Je peux voir !» Le lendemain, elle voit encore mieux. Mais après environ 72 heures, la corruption s'y installe. Pour Jésus, les cellules ne se sont pas corrompues. Il est mort le vendredi après-midi et ressuscité le dimanche matin. David avait dit, « Je ne laisserai pas son âme au séjour des morts, ni ne permettrai à mon sein de voir la corruption. » Ces cellules commencent à se diviser après 72 heures. Quand cela commence à enfler, la tumeur grossit, et votre cœur doit purifier le flux de sang. Une dame est venue vers moi hier soir avec un gros cancer. Il était dans ses cheveux et recouvrait le dessus de sa tête. Je lui ai dit dans l'esprit qu'elle avait un cancer dans la tête et qu'il allait se détacher. Il s'est détaché et l'a ici dans un flacon d'alcool. Cette femme est-elle dans le bâtiment? Pourrait-elle se lever? Oui, voilà la dame debout là, avec le cancer dans l'alcool. Je les ai vus devenir blancs et tomber directement sur l'estrade. C'est un miracle. Généralement, lorsque la grosseur est morte, la vie sort d'elle. Si la grosseur se trouve à l'intérieur, elle ne peut pas se détacher. Elle va rester là pendant quelques jours et commencer à enfler. Alors les cellules vont se décomposer et vous deviendrez très malade, avec de la fièvre. C'est une sorte d'infection. Le cœur pompe le sang et purifie le corps. Il y a un morceau de chair détaché dans votre corps et vous devenez sérieusement malade. Les gens disent, « Je me suis senti si bien sur l'estrade, et encore pendant un jour ou deux, mais je pense avoir perdu ma guérison. » Allons donc, c'est le meilleur signe au monde que vous avez reçu votre guérison. Si vous commencez à douter, aussi certainement que la foi lui en a ôté la vie, l'incrédulité la ramènera. Jésus a dit, « Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche dans des endroits déserts, puis il revient avec 7 autres esprits. »
Laissez donc l'homme bon de la maison, la foi, être là. Peu importe comment vous vous sentez, ce n'est pas ce que vous sentez, c'est ce que vous croyez. Jésus n'a pas dit « l'avez-vous senti, mais l'avez-vous cru ?» Je crois que 100 cartes de prière ont été distribuées hier soir avec la lettre Y. Prenons les 15 dernières ce soir. Qui a la carte de prière 85? Voulez-vous lever la main? Qui a la carte de prière 86? Puis-je voir quelqu'un avec la carte de prière 87? Would you stand up, 80? Or 87 is what? Peut-être quelqu'un ne peut pas se lever, il est sur un brancard. Peut-être sont-ils sourds. Je le retrouve à mon bureau. Ils disent, « Eh bien, je m'y trouvais, et vous avez dit de là à là, et personne ne m'a aidé. » Ou peut-être était-il sourd. 87, regardez la carte de votre voisin. Il est peut-être sourd et ne peut entendre. Qui a la 88? Est-elle dans le bâtiment? Carte de prière 89? D'accord. 90? Crois seulement. Maintenant, peu importe ce qu'il dit de faire, faites-le. Faites simplement ce qu'il dit. Je suis votre frère et ne suis qu'un homme. S'il veut bien venir prendre cette pauvre carcasse et laisser son Saint-Esprit agir à travers elle, alors vous verrez Jésus-Christ se manifester dans cet auditoire. Peu importe à quel point il confirme sa présence ici, si vous ne me croyez pas, il ne peut rien faire pour vous. S'il se tenait ici à mon côté pour que vous puissiez le voir, si vous ne me croyez pas, je ne pourrais rien faire pour vous. Mes paroles seront simplement ce qu'il a dit dans l'Écriture, et je prierai que Dieu vous aide. Il y aura ici des mères et des pères qui sont malades et ont des besoins, et je demanderai à Dieu de vous aider. Formez la ligne par ici, sur la droite. Maintenant, inclinons la tête. Père bienveillant, nous te prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne et manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Bénis ces gens, rétablis-les, qu'ils soient en santé et heureux. Père, tu connais la faiblesse de ton serviteur. Je ne sais pas que dire ou que faire. J'ai fait ceci sur ton ordre. Et je crois que tu seras ici pour bénir et aider ces gens. Père, si tu laisses le Saint-Esprit nous révéler ces choses, ce que nous devrions faire et comment le faire, nous serons alors heureux et dans la joie. Et cet auditoire croira en toi. Ne laisse pas une seule personne faible quitter ce bâtiment ce soir. Qu'ils repartent en étant bien, en santé et réjouis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelqu'un peut-il déplacer ses projecteurs? Ce Saint-Esprit, il vient, et beaucoup d'entre vous avez vu la photo. Elle a été prise plusieurs fois et se trouve dans les livres. Vous en verrez une autre montrant où il s'est posé. Le photographe d'un journal a pris celle-là à Camden, Arkansas, mais elle n'a pas été authentifiée comme celle de l'American Association. Je me trouvais à la rivière en train de baptiser 500 personnes après un réveil. Et il est descendu directement à l'endroit où je me tenais. Des gens se sont évanouis. Il y a eu un bruit comme un grondement et un feu qui claque.
Je prie que Dieu vienne visiblement de cette manière-là, devant cet auditoire, ici ce soir, dans la capitale. Cela peut apparaître à certains yeux et pas à d'autres. Nous ne voulons pas penser cela, mais c'est ainsi. Jean a témoigné avoir vu l'Esprit de Dieu au-dessus de Jésus. Il n'est jamais dit que tous l'ont vu. Les mages ont suivi une étoile. Elle a passé au-dessus de chaque observatoire dans le pays. Pendant des mois, alors qu'ils établissaient le temps d'après les étoiles, et personne ne l'a vu, si ce n'est les mages, parce qu'ils l'attendaient. Si vous recherchez Christ ce soir, vous le verrez. Billy, Paul, frère Moore, sont-ils tous en ligne, tous les 15? Maintenant, vous, sans quart de prière, qui n'êtes pas dans la ligne, regardez par ici et croyez avec la même foi que cette femme qui a touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. Croyez-vous qu'il est le même ce soir ?» Parmi toute cette foule bruyante, ce pauvre vieil aveugle, assis près des murs de Jéricho, qui criait, « Aie pitié de moi !» Jésus n'a probablement pas entendu son appel. Mais il a senti sa foi. Il s'est tourné vers lui et a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Il a dit autre chose à l'auditoire. « Pourquoi raisonnez-vous dans votre cœur ?» Il a dit à la femme au puits, « Va chercher ton mari. » Il a dit, « Je ne puis rien faire si le Père ne me le montre. » Si ce que j'ai dit est la vérité, alors Dieu est tenu d'honorer sa parole. Et il la fera s'accomplir. Et alors, s'il le fait, voudriez-vous recevoir Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore fait? Vous qui voyez sa miséricorde envers les autres, il aura pitié de vous si vous avez simplement la foi et croyez. Priez, « Seigneur, je suis un croyant et je veux que tu me guérisses ce soir. » Dieu le fera. Nous venons de rentrer d'Afrique. Je dois retourner en Afrique, en Inde, en Palestine et en Allemagne. À Durban, en Afrique du Sud, après que 3 ou 4 personnes eurent passé par la ligne de prière, lorsqu'ils virent ce que Dieu faisait, 30 000 personnes acceptèrent Jésus comme leur sauveur personnel. Si nous prenons la parole de Dieu comme règle et que nous prêchons l'Évangile, l'Évangile n'est pas venu qu'en parole, mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. L'Évangile démontre donc la puissance du Saint-Esprit. Dans des pays où je suis allé, ils disent, « Nous ne voulons pas de missionnaires. Nous en savons plus que vous à ce sujet. Nous voulons voir quelqu'un avec assez de foi pour rendre la parole de Dieu manifeste. » C'est comme cela qu'ils se convertissent et trouvent Christ. Je fais confiance à Dieu pour qu'il y en ait beaucoup ici ce soir qui trouvent Christ de la même manière dans leur cœur. Ce n'est jamais l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Quand, pour la première fois, l'homme chuta dans le jardin d'Éden, il se cacha. Dieu poursuivait l'homme. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » J'aimerais vous expliquer quelque chose concernant une vision. Combien ici ont déjà rêvé?
Beaucoup ne rêvent pas. Ici se trouve votre première conscience, là se trouve votre subconscient. C'est sur ce subconscient que j'essaie d'agir par le Saint-Esprit. Je pourrais demander à cet homme ici, « Croyez-vous ?»« Oh oui, monsieur, vous le croyez ici, mais qu'en est-il de cet homme ici en bas ?» C'est l'homme à la salle des machines qui fait marcher le bateau, pas l'homme en haut au poste de pilotage. Parfois, quand vous dormez, vous pénétrez dans ce subconscient et vous rêvez de choses que vous avez faites quand vous étiez ici. Quand vous vous réveillez, vous vous rappelez les choses dont vous avez rêvé. Certains peuvent encore se rappeler des choses que vous avez rêvées il y a des années. Une partie de vous était quelque part, sinon vous ne vous rappelleriez pas. L'homme qui dort profondément, son subconscient est loin en arrière, il n'arrive jamais jusqu'à lui. Mais un voyant, son subconscient n'est pas là derrière, ni ici, il est ici même. Il a les yeux ouverts et il voit. Dieu a donné à certains un profond sommeil sans rêve et à d'autres le moyen de rêver. Si je disais « faites un rêve », vous ne pourriez pas le faire. Dieu place dans l'Église certains comme apôtres, prophètes, certains avec des dons de guérison pour le perfectionnement de l'Église. Si tous vous parlez en langue et qu'un ignorant entre, ne dira-t-il pas que vous êtes tous fous? Mais si quelqu'un prophétise et révèle les secrets du cœur, ne tomberont-ils pas sur leur face disant, « Dieu est réellement avec vous? N'était-ce pas Jésus-Christ hier? N'est-il pas ainsi aujourd'hui? Je crois en lui dans la plénitude de ce qu'il est, le même Seigneur Jésus. Il est ressuscité des morts et il est ici ce soir, ici, sur l'estrade, maintenant. Je n'ai pas été dans cette région auparavant. Je ne vois personne de connu. Très peu sur l'estrade, frère Bosé, frère Lindsay. Il y a peut-être juste 3 ou 4 prédicateurs que je connais. Mais Dieu vous connaît tous. Cette dame, Dieu dans le ciel sait que je ne l'ai jamais vue de ma vie. Sommes-nous étrangers l'un à l'autre? Si Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, voyons ce qu'il était hier lorsqu'il cherchait à découvrir quelque chose à propos d'une femme. Il lui a dit, « Apporte-moi à boire. » Elle a répondu, « Ce n'est pas l'usage pour les Juifs d'agir ainsi avec les Samaritains. » Jésus lui parlant quelques instants a découvert son problème. Maintenant, Jésus est ressuscité des morts. Il vit en nous ce soir. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car je, un pronom personnel, serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi que c'est écrit dans la Bible. Vous savez que j'attends quelque chose, c'est vrai, c'est l'ange du Seigneur. Je suis tout à fait impuissant comme chacun de vous et peut-être qu'il y a des critiques ici. Combien ont déjà vu sa photographie qui a été prise scientifiquement montrant la grande lumière qui entre? Les studios Douglas à Houston, au Texas, la possèdent. George G. Lacey, l'un des meilleurs dans la recherche en Amérique, l'a examiné pour voir si ce n'était pas une double exposition. Jésus-Christ a confirmé lui-même qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vais l'attendre. S'il va m'aider ce soir, je ne sais pas. Si j'ai dit quoi que ce soit en me vantant, que Dieu me pardonne. Je ne cherche qu'à représenter Jésus-Christ qui m'écoute en ce moment. Puisse-t-il venir nous aider, c'est ma prière.
Si l'organiste veut bien jouer tout doucement, crois seulement. Que chacun soit en prière, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à courber votre tête, à moins qu'on vous le demande. Maintenant, vous qui êtes dans la ligne de prière, s'il vous réprimande, ce sera la vérité. Vous devez être disposé à la supporter. Vous, dans l'auditoire, n'importe où, ce n'est pas moi, c'est lui. Allez mettre cela en ordre. Avant de trouver un remède, vous devez trouver la cause. Si un docteur vous donne une aspirine, ce n'est pas un bon docteur. S'il est un bon docteur, il fera un diagnostic jusqu'à ce qu'il trouve ce qui ne va pas. C'est pareil ici. S'il y a un mauvais esprit, un péché inconfessé, ou s'ils sont en dehors de la volonté de Dieu, vous pourriez les oindre durant toute la nuit, pleurer et crier. Ce démon restera bien en place. C'est à quoi vous devez veiller. Si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un pour quelque chose et que vous veniez l'ôter, vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu. Le Saint-Esprit est ici. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je prends chaque personne ici-dedans sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je veux vous parler une minute. Vous êtes consciente que quelque chose est en train de se passer? Certainement. Cela vient d'arriver? Oui, je le crois. Si c'est vrai, levez la main. C'est sa présence. Je vous suis inconnu. Je ne vous ai jamais vu. Si le Saint-Esprit, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme j'en ai témoigné aux gens, déclarant que c'est la vérité et qu'il est le même, alors il me révélera quelque chose qui vous aidera à croire. Si Dieu le permet, voulez-vous accepter votre guérison ou la chose pour laquelle vous êtes ici? Oui. Cela le rendrait comme celui qui parla à la femme au puits. Oui. Je vous parle seulement comme il l'a fait, afin de contacter votre esprit. Je vois une sorte de grosse collision. Oui. C'est un accident. Oui, oui, oui. C'est un accident de voiture. Oui. Vous avez été projeté en l'air comme cela. Cela a froissé un muscle dans votre cou. Suite à cela, un cancer s'est installé. Oui. Vous croyez que Jésus-Christ vous guérit? Oui, je le crois. Père divin, dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu, auprès d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter. Satan, tu es démasqué. Alors sors de cette femme, comme l'Église du Dieu vivant te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Merci, merci, merci. Juste un instant, sœur. Je veux seulement vous parler. Vous savez que c'est parti maintenant. Oh oui. Cela restera comme ça. Voyez-vous comment est votre gorge? C'est parti. Cela restera ainsi. Oh oui, loué soit le Seigneur. Tout cela l'a quitté. Le goitre a quitté sa gorge. Allez votre chemin et soyez reconnaissante, heureuse et dans la joie. Ayez simplement foi dans le Seigneur Jésus. Faites qu'il soit maintenant au centre de votre pensée. Pendant qu'ils pensaient à ces choses, ils étaient d'un commun accord. Souvenez-vous, Jésus le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ayez la foi, regardez par ici, vous dans la salle, et croyez de tout votre cœur, et accordez-moi toute votre attention, soyez en prière. Gardez la foi en Dieu. Je crois que cette dame est la malade. Approchez-vous, sœur. Cela ne vous fera pas de mal. C'est seulement sa présence dont vous êtes consciente.
Vous dans la salle, je suis votre frère. Ce n'est pas de la psychologie. J'ai senti cela venir de l'auditoire. Non, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas de la psychologie. Maintenant, ne faites pas cela. Pensez seulement que c'est le Seigneur Jésus. Sœur, je veux parler avec vous un instant. Nous sommes des étrangers l'un pour l'autre, mais Jésus-Christ nous connaît tous les deux. C'est la première fois que nous nous rencontrons sur terre. Mais lui vous connaît. Et si moi, par sa grâce, par un don divin, sans avoir rien fait pour qu'il vienne, tout bébé, la première chose dont je puisse me souvenir, c'était une vision. Je veux que vous regardiez un instant dans cette direction. Vous êtes malade. Il y a un esprit de ténèbres autour de vous. C'est la mort. C'est un cancer du sein. Je vois que vous êtes examiné par quelqu'un de fort. Vous avez une hernie dans les intestins et aussi un problème d'estomac. Vous souffrez sérieusement du cœur, ce qui vous procure des évanouissements. Il y a quelques jours, alors que vous étiez assise sur le bord de votre lit, vous vous êtes presque évanouie. Ces choses sont-elles vraies? Oui, entièrement vraies. Quoi qu'il en soit, cela m'a quitté. Qui pensez-vous connaissait votre vie? Acceptez-vous que ce soit Jésus-Christ? Oui. Merci. Et je crois cela. Vous savez que quelque chose de surnaturel est ici. Oui. Et vous croyez que c'est le Seigneur Jésus? Oui, je le crois. Il y a encore un esprit de ténèbres au-dessus de vous. C'est très sérieux. Votre prénom est Eva. Oui. Et votre nom est York. Oui. Et vous habitez dans cette ville. Oui. Le numéro de votre maison est le 613 de la 6e rue. Oui. Rentrez chez vous pour être guéri. Ayez simplement la foi, ne doutez pas. Va et ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne t'arrive. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, ce n'est pas boire, fumer, jouer à l'argent. Ce sont les attributs du péché. Vous le faites parce que vous ne croyez pas. Ayez foi en Dieu. Croyez-le de tout votre cœur. Je vois la lumière suivre cette femme. Elle se tient près d'une personne de couleur. La dame avec cette vésicule biliaire et une hernie. Croyez-vous que le Seigneur Jésus vous rétablit? Si vous le croyez, vous pouvez vous lever. Réclamez votre guérison et être guéri dans le nom du Seigneur Jésus. Vous avez une hernie, n'est-ce pas, monsieur, qui est assis là? Vous étiez en train de prier. Seigneur, fais que cet homme me parle. Si c'est juste, levez la main. Votre foi vous a guéri. Le même Seigneur Jésus, vous n'avez pas besoin d'être ici en haut. Vous avez besoin d'avoir la foi. Croyez simplement Dieu de tout votre cœur et vous aurez ce que vous demandez. Jésus-Christ vous l'accordera pour autant que vous croyez. Mais vous devez avoir la foi.
You must believe him with all your heart, and God will bring it to pass. The patient, excuse me, sir. You believe with all Croyez-vous your heart? De tout votre cœur? Oui. You do. Now you're just a bit excited. Vous êtes juste un peu excité à cause de la présence de cet être ici. Vous venez de l'extérieur. Oui, monsieur. Vous venez de Richmond, en Virginie. Vous avez un cancer à l'intérieur de votre bouche, sur votre mâchoire. Vous voulez rentrer chez vous guéri? Oui, certainement. Dans le nom de Jésus-Christ, que cela quitte cet homme. What do you say? I know now that seeing you, you're becoming. Vous êtes en train de devenir une personne jeune d'apparence, beaucoup plus jeune que ce que vous êtes en ma présence. Vous souffrez de maux de tête. Oui, c'est vrai. Il y a environ 25 ans que votre mal de tête a commencé. C'est juste. Cela n'a pas arrêté de vous ennuyer depuis lors. Vous avez été une grande croyante. Vous avez prié pour cette heure-ci. Vous avez dit à Dieu que si seulement vous pouviez venir à moi et que je prie, vos maux de tête cesseraient. Vrai? Entièrement. C'est vrai. Vous avez entendu ce que cela a dit. Ce n'était pas moi. Non. C'était juste ma voix. Était-ce bien la façon dont cela a été dit? Exactement comme vous l'avez dit. Vous croyez que c'est Dieu qui l'a fait? Je crois que c'est Dieu qui l'a fait. J'en suis certaine. Vous êtes sûr que Dieu est ici? Je vois quelque chose d'autre. Une jeune femme se tient près de vous. C'est votre fille. Vous étiez sur le point de partir en voyage pour aller la voir à Richmond, dans l'Indiana. C'est juste. Son mari est prédicateur. Et elle vous a écrit une lettre vous disant de ne pas venir parce que j'allais venir ici. C'est juste. Est-ce juste? C'est juste. Vous êtes guérie. Ayez foi en Dieu. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse, chère personne de couleur qui criait. Il est toujours prêt à aider les gens dans le besoin. Je vois le Saint-Esprit dans le coin. Il est au-dessus d'une dame de couleur qui regarde dans cette direction et qui prie. Elle a une grosseur dans la gorge. Elle a levé la main. Vous acceptez votre guérison, madame? La dame assise juste derrière vous, elle a une grosseur dans son épaule. Levez-vous toutes les deux maintenant, les deux dames de couleur avec des grosseurs. Jésus-Christ vous guérit toutes les deux. Votre foi vous a guéri. C'est parti. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Mais croyez que toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Amen. Quelle banque de la foi dans tout ce bâtiment! Tout le bâtiment a vraiment une apparence laiteuse. Vous êtes certainement dans l'Esprit du Seigneur maintenant. Tout pourrait arriver. Bonsoir, madame. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Un prophète est un prédicateur.
Vous ne me considérez pas comme venant de l'ennemi, vous me considérez comme venant de Dieu. Oui. Alors je puis vous aider. Il m'a dit que si je pouvais amener les gens à me croire et que je sois sincère en priant, rien ne tiendrait devant la prière. C'est Dieu qui opère la guérison. J'ai dit, ils ne me croiront pas. Il m'a dit, tu recevras deux signes comme Moïse. L'un sera de connaître les secrets de leur cœur. Vous n'êtes pas ici pour vous-même, mais vous êtes nerveuse à cause de la maladie de cet enfant. Les docteurs ne peuvent plus rien pour empêcher sa mort. C'est la leucémie. Oui, c'est juste. De l'ouest, vous êtes venu vers l'est. Vous êtes venu d'un état avec des montagnes, la Pennsylvanie. Oui. Chambersburg. Oui, c'est juste. Petite sœur, si le Seigneur Jésus était ici, il poserait ses mains sur toi et tu vivrais. Croyez-vous que je suis son serviteur? Oui, certainement. Je pose mes mains sur cet enfant à sa place et je la bénis. Et je demande que le démon parte, que la vie vienne, qu'elle vive et soit guérie. Satan, par l'autorité de la Bible de Dieu, avec un don divin, je t'adjure de quitter l'enfant. Tu crois que maintenant tu vas bien aller? Que Dieu te bénisse. Tourne-toi et fais signe de la main à la salle. Petite fille avec une foi remarquable. Pense à m'écrire. Croyez-vous que je suis son prophète? Oui. Croyez-vous que Dieu est proche? Si Dieu veut me faire connaître ce qui ne va pas avec vous, comme confirmation que je suis son prophète, révélant la vérité. Comme il a dit à la femme, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai point. Il a dit, tu en as eu cinq. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Il a promis de renvoyer le même esprit, le Saint-Esprit, pour qu'il soit avec nous jusqu'à la fin du monde. Le croyez-vous? Oui. Alors il peut connaître votre problème. Oui. Vous souffrez du cœur. Oui. Que tous ceux qui souffrent du cœur se lèvent. Vous pouvez être guéris. Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous vous sentez différente maintenant. Oui, c'est vrai. Il y avait vraiment un esprit de ténèbres. Vous souffriez. Vous deviez vous coucher. C'est vrai. C'est parti. Oui. Vous êtes guéri. Merci, Seigneur. Ayez foi en Dieu. Chacun d'un commun accord. Nous sommes étrangers l'un à l'autre, mais le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. Oui. Le Dieu du ciel qui a habité en Jésus a promis de revenir en nous et que ce qu'il a fait, nous le ferions aussi. Croyez-vous que je suis son prophète? Je dis cela parce que l'ange m'a dit, amène les gens à te croire. Oui, s'ils ne te croient pas, tu connaîtras les secrets de leur cœur. Mais vous, vous me croyez, parce que vous êtes vous-même un prédicateur. Vous êtes ici pour une bonne cause, vous n'êtes pas malade. Vous désirez qu'un réveil éclate dans votre communauté. Nous voulons tous cela. Levons-nous. Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, je demande que toute puissance démoniaque soit brisée et que la puissance de Jésus-Christ soit manifestée.
Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors des gens. Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors des gens. Blessed be the name of the Lord.